Donc salut à tous, regardez, on est dans cette petite ruelle comme la dernière fois. C'est beau, regardez, il y a un beau ciel avec des aurores boréales et tout. Ah, c'est reposant. Et donc on est au Japon, je dirais. On est devant un cinéma, dans une petite ruelle bien sympa, que moi j'aimerais bien visiter en vrai. Avec, regardez, le cinéma où je ne peux pas aller parce que, regardez, c'est la technologie du futur. Ils ont placé un mur invisible devant leur ciné. Bon, c'est donc par là qu'il faut continuer. Je prends... Je vais m'armer. Oh, putain! Ils m'ont fait peur! J'ai juste entendu derrière que ça venait, tu sais. Oh, putain. Hé! Hey, ah là! Hey, frime-moi là, hein! Regardez avec sa tête à côté. Là, vous avez vu, je lui ai dit, tu frimes-moi là, il a fait. Pas avec le bout de tête qui lui restait, avec son cou en fait. What? Oh! Ah, mais je me disais, putain, qu'est-ce qui se passe avec ma. Ah! Avec ma grenade! Mais c'est injuste! Restez à couvert, Ivan essaye de contourner. Vous. Hop, j'aime bien parce que tu leur tires dans le torse et la tête elle fait hop, elle part toute seule. Oh. Regardez, tu tires dans les jambes, c'est la tête qui part, hein, c'est magique. Je sais pas, ça doit être la pression, je sais pas, peut-être la chaleur. C'est bizarre. Ah, et lui, oh, ils sont polis les mecs, ils m'attendent. Ah, bah c'est gentil. Regardez, lui il bouge pas. Du coup, il me permet bien de viser, pop. Ah, attends, je reviens après, hein. Allez, ça c'est fait. Mais attends, il y en a combien là qui vont arriver là comme ça? C'est bon, c'est pas fini? Ah, puis lui, il est toujours là? Il y a des hyper meules, voilà. C'est bon? T'es prêt? Fais un duel au Far West. J'ai gagné. Ok, bon. On a vu que le jeu a été capable de dégainer n'importe quoi comme ennemi, genre des zombies et des hommes rats. Je sais pas comment appeler ça autrement. Donc on va commencer à quand même se méfier parce que là on a des ninjas, ça a pas l'air trop terrible. Mais on sait qu'il peut y avoir bien pire que ça. C'est quoi ça? Ah, des tomahawks, jamais. Je prends jamais ça. De la vraie merde ces trucs. J'aime bien ma petite masse. Ma. Ah, si je pouvais avoir une... Ah, une hache! Ce serait bien aussi. Là c'est les ennemis tout pourris. Ceux-là, j'ai pas trop peur. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? On est dans une sorte de... Ouf! Une sorte de demeure bourgeoise. Avec une tapisserie, bien, ma foi, bien, bien moche. Oh. Alors, normalement, moi, j'aime bien y aller au corps à corps. Mais alors, les mecs, là, ils sont juste... Super chaud. Tiens, attends, j'ai déjà plus de... Ouais, attends, hop, on va remettre le petit fusil à pompe. Vous comprenez pourquoi j'aime pas le fusil à pompe? Parce qu'en fait, il faut viser, que j'ai pas le temps, quoi. Et les mecs te foncent dessus, comment tu veux faire? Ouais. Couvrez l'unité Delta. Alors là, je... J'ai eu un peu peur quand même. Ah, mais c'est eux là, attends. Ah, je vais devoir faire quelque chose ici. Attends, ok, j'ai compris, j'ai compris. Regardez, il y a une espèce d'arme lourde. Là, j'ai le droit d'y aller ou tout de suite ou... Putain! Regardez, ils sont en file indienne. Ah, la file indienne. Ah, monte, monte, monte. Hop. Ah bah voilà. C'est injuste qu'ils soient invincibles le truc. Alors attends, on va s'amuser un peu là. Hop, utiliser. Oh bah oui, regardez, je doute même pas que je suis là. Si, y en a un quand même qui a compris le truc. Voilà. A tirer que sur les... Tonneau explosif, ouais, mais ça sert pas à grand chose en fait. Y a lui là éventuellement. Bah oui, on se souvient que ces gars là, ils nous avaient pris à revers quoi. Et là-bas, de l'autre côté, il y a mon équipe. C'est les petits gros. Putain, cette...
T'as la mitrailleuse de malade. Tu tires 3 balles, le truc il est en morceaux quoi. Ça y est. Il y en a un qui court vachement vite quand même, c'est normal. C'est un copain ou pas lui? Pourquoi il court si vite? Mais regardez à côté des autres. Eux ils sont super méfiants, lui il a foncé. C'était, je sais pas. Je sais pas, je trouve ça suspect, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave, on va pas s'en occuper. Allez, on vient voir ici. Il y a forcément encore des gars là dans cette maison, non? Ah, j'aurais pu venir ici aussi. D'accord. Et pour être honnête, vraiment j'ai fait ce que je pouvais pour essayer de comprendre un peu le scénario et tout, et de regarder les cinématiques et tout, mais c'est n'importe quoi, je sais pas pourquoi on est là. Little Genie. Qu'est-ce que c'est ? Une statue. Un petit bar bien classe, bien lounge. C'est quoi ? Statuette. Ah c'est la statuette, on l'avait vue sur la place cette statuette, avec le mec qui fait... qui désigne du doigt, parce que c'est pas bien de faire ça. C'est quoi, ça? Ah, les coucris que je préfère, moi, mon arme à moi. Parce que je préfère les armes contondantes, maintenant. Les grosses armes, en fait. Alors, il débloque la porte à ses copains. Ouais, c'est ça. Comme ça, ils vont tous aller au bar. À l'œil. Putain, c'est cette gueule qu'il a. Merci de nous avoir sorti du pétrin. C'est magnifique. Ah, c'est, est-ce que j'ai... Ouais, voilà, j'ai des balles. Mais y a rien d'autre ici, en fait. D'accord. Alors, je vais essayer de me mettre à couvert. Alors, c'est pas évident. La couverture, ça fait toute seule, en fait. Couverture automatique, c'est pas toujours une bonne idée. C'est quoi, ce truc? Oh, putain, c'est un blindé, ça. Oh, oui, je crois. Oula. Oh, le mec, il a une Gatling et tout. Il y a un ninja derrière. C'est quoi? Attends, t'es quoi? Non mais, mec, mais... Hop. Voilà. Attends, ma grenade a explosé en l'air? Non. J'ai rêvé ou... Ah non, c'est bon. Toi, tu dégages. Allez, ça, c'est à moi. Hop là. Non. Ouais, il va falloir que je fasse gaffe. Il tire au lance-roquette ou je sais pas quoi. Je vois que dalle, putain. Là, il va falloir que je me débarrasse des lance-roquettes. C'est quoi le lance-roquette? C'est lui là? On va essayer. Hop, j'essaye de l'aligner. Vas-y, ouvre, allume ta clope. Voilà. Bon, maintenant ça a l'air bon. Bon, lui il est bientôt mort. Me dites pas que. Attends, non, je crois que j'ai mal lancé ma grenade là. Elle est trop proche de moi. Ouais, voilà, elle a touché personne. Attends, il reste un gars là-haut, je l'avais pas vu. J'avais pas vu que. Ah merde, je vais faire comment? Et c'est qu'avec le fusil à pompe pour toucher un mec si loin. Y a pas des balles? Mais quoi, je vais pas courir vers ce truc? Vous avez vu le tank que c'est? Attends, peut-être que je. Voilà, je peux. Voilà, genre me mettre comme ça. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Je vais me mettre à l'abri doucement. Hop. Oh putain, attends, il vient! Stop! Merde! Ils viennent les mecs! Les miennes! Protégez-moi! Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais... Ils sont tellement... Ils s'en foutent! Ils s'en tapent! Mais regardez mes copains! Mais... Alors attends, on va essayer de se débrouiller comme on peut. Voilà, allez, d'un... Putain, j'ai failli mourir mais tellement de fois, là! Avec mon plan, là, con, là, mais ils sont sortis tout... Oh, oh là! Allez! Bon! Ah, y'a lui là, regardez! Ah, puis, non, puis il s'en fout, hein! Regardez, mon collègue, il essaie juste d'avoir le mec qui est au fond. Celui-là qui est là, ça l'intéresse pas. Allez! Proche! Oh! J'ai eu l'amélioration là! Alors, attends. Voilà, y'a lui. Ah, mais ça va, mon collègue, il est invincible, c'est pas grave si je tire dessus, il est habitué. Je sais pas ce qu'on fout là. Putain, c'est qui lui? C'est un pote à nous ou pas? J'ai aucune idée. Je sais pas ce qu'il fout là.
Tiens, c'est quoi ça? Ah, un Aura News, un bouquin collectible. On s'en fout. Ah, bah voilà. Tiens, attends. Oh, j'ai plus de grenades, c'est trop dommage. Tiens, attends, mais vous savez quoi? Hop là! Oh putain, j'en ai eu deux en même temps, quoi. Ça, alors, quand j'enclenche l'attaque au tout début, mais c'est voilà, c'est un assassinat, quoi. Tout juste un assassinat. Le mec, il rush autant qu'il peut dans les mecs qui sont en face de lui, et puis ça y est, c'est ça, un tank. Alors, attends, il y en a peut-être encore là. Ah là, vive, vas-y! Ouf. Hey, faut que je profite, pour l'instant là je suis sous l'effet de mon... Oh là 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 là! Allez, rien à foutre, les lance-roquettes, c'est de la merde! Là je suis sous l'effet de mon tatouage! Et en fait, ça se confirme, hein. Plus je tue les mecs, et plus mon tatouage est dur. Ah non, mon tatouage il est plus... Oula! On va peut-être courir en arrière maintenant, parce qu'il y a les... Allez, ils sont quand même bien armés, les gars. Mais ça va, je suis content. Belle affaire que j'ai fait là, d'utiliser mon pouvoir maintenant. Parce que je pense que ça aurait été compliqué s'il y avait quand même des ninjas et tout. Et moi je suis passé et j'ai tranché dedans comme si c'était du beurre, quoi. Bon. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Tiens, je vais essayer de passer par là. Il n'y a pas trop d'endroits pour se mettre en couverture, mais... Ouais, ça a pas l'air d'être des mecs bien dangereux qui sont là-bas là. Voilà. C'est tout. Pas bien compliqué tout ça. Ok, let's go. Ah, c'est là qu'il faut que j'aille. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un rideau de genre... J'irais un truc de magasin à l'intérieur d'une baraque. Ah, c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Qu'est-ce que c'est? C'est un salon de massage ou quoi, ce truc bizarre là? Oh, bon, en même temps, ouais, les affiches qui sont là, il y en a partout. Donc ça veut rien dire. Enfin, salon de massage, vous m'avez compris, salon de massage. Hein? Ah, tout à l'heure, quand on se baladait, qu'on a eu un prospectus de salon de massage, j'ai pensé à autre chose, moi. IRL, je parle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu, eux? What's up with the paint job? Looks like an album cover. They're showing your age, Captain. Oh merde, l'autre est bien avec sa Gatling, quoi. Un talonneur, je veux bien, c'est gentil, monsieur. Ah, j'aime bien, c'est tout à fait dans mes cordes, ce genre d'instrument de précision. Voilà, comprenez? Alors, neutraliser. Ah ouais, carrément. Attends, mais bouge pas. Ah ouais, c'est que du coup, regardez, si j'essaye de viser, bah, il est tout lent. Ce qui fait que je pourrais pas suivre l'hélico, donc je dois... Ah putain. C'est bon, il est mort le mec. Mais regardez tout ce que je lui ai mis dans la tronche. Ah! C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, il m'a envoyé un missile ou quoi? Oh! Doucement, repousse-toi. Attends, il est où? Ah, là. Oh, voilà! Il en a plus pour longtemps. Hein? On va faire un atterrissage forcé, moi, tu vas voir. Oh là là, mais regardez cette... Cette sûreté qu'il avait dans le regard, enfin, on ne l'a pas vu, mais c'était derrière les lunettes. Mais... Oh putain, merde, c'est elle, c'est comment elle s'appelle, Sifour. Ça, c'est son élève, enfin son ancienne élève. Qui a un jour où, enfin, il y a un moment où elle va finir par se transformer. Elle aura genre 3 ou 4 bras qui s'y font eux. Putain, ils courent d'une vitesse, les mecs sont pas très prudents. Hein. Oh! Ah, attends. Oh, mais attends, le mec il est tout seul, je vais quand même pas faire mon gros lâche. Mais j'arrive pas à les affronter. Mais merde! Mais ils se défendent! Oh, oh! Mais non! Oh, mais non, mais ça c'est de la traîtrise! Moi je voulais y aller comme un mec. Tu vois, je suis lui là. Et lui il est arrivé par derrière, vas-y. Injuste.
Attends, bah attends. Si c'est ça. Coucou. Ah ouais, d'accord, il n'y a qu'un ninja, et puis le reste, c'est des troupes un peu plus classiques. Je peux y aller là-dedans? Non, je peux pas. Ah, il y a un collectif d'ici. Le journal local de Brat. Et... c'est des munitions que j'ai au max. Ah! Et probablement le lieu où s'est écrasé l'hélicoptère. Est-ce qu'on va retrouver... Ah bah oui, est-ce qu'on va retrouver Sifour? Quelque chose me dit que ça va mal se passer pour elle. Et par extension pour moi du coup. Oh! Oh! Attends. Allez, on va pas faire sa couille molle. Allez, vas-y. Putain, mais non, mais je peux pas. Mais les gars te sortent. Mais regardez ça! En plus, c'est hyper puissant ce qu'ils ont. Hein. C'est pas des mitraillettes de merde. Allez, j'ai pas le choix. Regardez, là, je suis à deux doigts de crever à chaque fois, quoi. Ah, tiens, le dernier, je me le garde. Bim! Voilà! Voilà, comme ça, l'honneur est sauf, quand même. Il en reste encore ou pas? Je vais recharger. Non, c'est bon. Ils sont trop durs. Ils sont trop durs, ces mecs-là. C'est une pagode. Putain, c'est vraiment joli. Hein. Des fois, le jeu... recèle de bien beaux panoramas. C'est dommage que le reste soit un peu raté. Bénil. Et bim. Allez, tiens. Ah là, ça c'est fait. En fait, c'est pas si compliqué de les tuer, mais c'est juste qu'il faut pas qu'il y en ait qui me tire dessus au même moment, quoi. Ouais, on dirige forcément vers genre une arène de boss, je sais pas quoi. Celle-là. Oh. D'accord, les portes se sont. Ouh, putain. Oh putain. Les portes qui se ferment derrière moi. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Genre. Attends, il y en a un qui est bleu là. C'est... Ah mais non, le bleu en fait c'est lui qui peut le. Oui, ça a mal se passer. Merde, mais tu veux que je fasse quoi, putain? Bon bah on va prendre la solution. Petit kiki. Hein. On va utiliser le flingue, on va les attendre. Bah, surtout lui là-bas avec ses yeux bleus de merde là. Allez, ah putain. Alors lui, je sais pas pourquoi il m'attaque au corps à corps d'un coup alors que... Jusque là, il était plutôt décidé à... Voilà, à lâcher la mitraillette quoi. Ah là, tiens. C'est lui que j'ai eu. Oh putain, oui c'est celui-là que je voulais en plus. Voilà. Hop. Alors ces ennemis-là, vu qu'ils ont les yeux bleus, officiellement, on va les appeler Isabelle. Allez, allez, allez. Ah, j'aime bien quand il fait des petites attaques. Petites attaques cinématiques, là, parce que ça me permet de recharger de ma vie pendant ce temps. Voilà, c'est parfait. Et toi, alors toi, tu vas tellement souffrir, Isabelle. Allez. Oui. Voilà, ce genre de petites attaques là. C'est des petites attaques cinématiques, je trouve ça cool. Et oh, c'est quoi ça? Parce que c'est un katana, je vois bien, mais il est un peu spécial. Il a le... Il est courbé au niveau du manche. On dirait une Keyblade. Une Keyblade, on dirait là. Non, c'est comme... Voilà, l'épée flingue de Squall dans Final Fantasy VIII, pour ceux qui savent. Tiens, je vais juste... Alors, je sais que j'aime pas trop les lames, normalement. Mais je vais essayer. Je vais garder ça sur moi, puis je vais voir ce que ça donne sur un ennemi. Ouais, je crois que... Voilà. Je suis obligé d'accepter ma décision, parce que je peux pas revenir en arrière. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est, ça? C'est sympa, il y a des petits tatamis et tout. C'est... Ah! T'as putain super! Ouais, d'accord. C'est exactement la même élimination qu'avec l'autre... Katana classique. Et Oh, c'est génial ce qu'il vient de lui faire.
putain, alors ça, je sais pas comment j'ai fait. Il a chopé en l'air son katana à lui. Et il lui a envoyé un bivouac. Et il lui a envoyé... il l'a enfoncé dans sa poitrine, quoi. Génial. Ah, attends, j'entends des gens qui courent vers moi. En fait, je me suis perdu dans la bataille, je sais pas où je dois aller. Je viens d'où, moi? Ah, je viens de là-bas, je crois. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est dommage, il a pas fait la même attaque. Éliminer le chef... Mais il est là. Je sais pas si c'est lui, mais voilà, lui il est pas content. C'est quoi ça? C'est un petit service athée. Visiblement ça l'intéresse pas. Ah, ça, là ça s'est ouvert. Ne pas oublier que je peux utiliser mon attaque spéciale là, au pire, si ça se passe mal. Et j'ai envie de dire que c'est le Busu Time là maintenant. Jane. Hello, Ivan. It's been years since you've come to my bedroom. I heard about Big Mouth. And now I find myself a widow. Life can bring so many changes. I know you like the lights on, but I move so much better in the dark. Voilà, voilà, voilà. Jane Doe. Très bien. Elle bouge ou pas? Putain, oui, elle vient. Attends, mais il y a ses copains là qui me dérangent un peu. Oh, pire, je m'en fous, j'ai mon attaque. Je suis peut-être en train Oh là là, cette attaque, elle est magnifique cette attaque. Je suis peut-être en train de cramer là autour de moi. J'espère que eux, ils viennent. Putain, ma fille. Bon, vous savez quoi? Allez, bim! Oh, merde! Qu'est-ce que... Et ils veulent que je fasse quoi? J'arrive même pas à la toucher, elle. Voilà, elle fait des fois un petit enchaînement au corps à corps. Mais tout à l'heure, j'ai beau essayer de la toucher, j'ai pas fait beaucoup de dégâts, quoi. Voilà, là j'en ai fait. Mais non, j'ai rien fait. En vrai, regardez, ça a pas bougé sa barre de vie. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Voilà, ça c'est fait. Alors ouais, là il fait plus, enfin ses attaques spéciales plus ou moins automatiquement parce que j'ai son super pouvoir d'activer. Ah, il se passe quelque chose. We were ordered to test a transgenic formula. Big Mouth, Saha, your little C4. We all suffer. We aren't even human anymore. We are monsters. Oh là. Elle n'avait pas prévenu. La cinématique s'est arrêtée de manière un peu trop abrupte. Ah, brusque. Wop. Alors, elle dit que c'est... Ouais, nous sommes des monstres, ok. Alors, je peux visiblement toujours pas l'attaquer. Enfin, je lui fais pas des masses de dégâts, je vais essayer avec les flingues, mais les flingues, généralement, contre les boss... Oh putain, si, ça marche bien. Alors,
Attends. Ouais, le cerisier là qui est au milieu va me servir de ouf. C'est que j'ai besoin d'une couverture quoi. Allez, tiens, mange-toi les grenades. Voilà. Ah la bim. Ah non, l'effet que j'espérais n'était pas là. Hein. Ouais, par contre, je lui fais quand même des dégâts quand je lui envoie une petite rafale. Et hop. Tandis que vraiment au corps à corps, c'est même pas la peine d'essayer, surtout que bah elle a son attaque. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait putain? Je peux rien faire, y a pas de cut. Ah mais genre si elle court vers toi, c'est la mort. Elle te bute. Ah, elle va pas me tirer dessus. Putain, elle est dure, hein. Les autres boss, pas aucun souci. Mais alors, peut-être parce que, aussi, j'ai pas d'arme contondante, là, pour elle. Regardez, je me suis mis en... J'ai utilisé ma limite, alors que j'étais... elle me tenait, quoi. Allez, vas-y, finis-la. Oh bon, là, j'ai pris des risques. James. Where is the sword base? Bon, est-ce qu'elle va se transformer, elle? If you want to know more, ask the prisoner in the Rhenium plant. He'll tell you. Ah, je... Ta prothèse qui se barre, meuf. C4 hid her deformities from you. Ashamed of what she'd become. She worshipped you, Ivan. My eyes can see everything, but can change nothing. If you want to kill me, kill me. Life. Death. All the same. Need darkness. It's where you'll find the true light. Ouais, merde, il l'a rendu aveugle, quoi. James said something about a prisoner in the island's industrial zone. According to US press sources, this lab was built for a physicist, Dr. Maida. Who designed some sort of super armor alloy. Sending you his profile. The prisoner Jane mentioned must be Dr. Maida. If you want to know more, ask the prisoner in the Rhenium plant. He'll tell you.
J'aime beaucoup. Le jeu a compris, j'étais complètement largué, tu vois. Et du coup, il me met des flashbacks de trucs qui sont passés il y a 2 minutes. Merci. Voilà. On est sur le truc de Richard, je sais pas quoi. Bien. Ah, attends. Ça vaut le coup que j'aille voir en bas. Bon. C'est là d'où on vient, nous, non? Ah, attends, il y a un truc. Ah, c'est encore un instrument. Un gousli. Je sais absolument pas ce que c'est qu'un gousli. Mais, je serais ravi d'aller sur Wikipédia et d'apprendre que le gousli est un instrument à cordes, tu vois, par exemple. Bon. Allez, on va voir un docteur. C'est quoi, lui, en face? Non, c'est un copain? Je sais pas. Oui, c'est un copain. C'est Bob. Ah, une petite bouteille du saké. Et il nous les donne, les collectibles, ici. Ce qui est assez bizarre. Oh! Ok, contact. Et comme à chaque fois, je vais être obligé de me rechoper l'arme qui me va bien. Parce que, ouais, tout début, on a toujours un katana. Allez, toi, c'est fait. Parce que, je vous l'ai déjà dit, mais... La meilleure arme du jeu, c'est le lance-flamme. Et donc, il faut les tuer en priorité, ces saloperies-là. Alors, hop. Voilà. Oh! Monsieur Shrubif! Attends, y a encore des mecs là ou pas? Beau boulot, ok, c'est bon, ça a l'air bon. Je me demande si le jeu est long. Ok, alors, vous, les mecs, à la... Voilà. J'avais pas envie de me faire chier. J'ai envoyé, certes, toutes mes grenades, mais ça a été utile. Les gars avec les boucliers, non. Non. Non, vraiment, non. Ah, regardez, lui. Où c'était caché? Espèce de lâche. Rien là-bas, y'a pas un autre gars caché? Non. Regardez lui en bas, c'est un lance-flamme ça, non? Ah bah on n'a pas eu le temps de voir. Ah ouais, c'est des lance-flammes. Voilà. Non mais je gagne tellement de temps en les attaquant au corps à corps plutôt qu'avec une arme quoi, ceux-là. Ah, ceux avec les coucris. Ah là, c'est plus compliqué. Et ceux avec les coucris, eux... ils peuvent faire des dégâts. Allez, on y go. Hop, hello. Voilà, et en plus de ça, il me file des grenades. Très bien. Évitez les forces ennemies, d'accord. Ils sont où les mecs? Ah ouais, là-bas. Hop. Poc. Je suis assez surpris de ne pas avoir de zombies. Je pensais que ça allait devenir un ennemi habituel, quoi. Qu'ils allaient nous en lâcher un peu partout. Parce qu'il y en a certains qui sont quand même bien chiants. Et non. Ils se sont pas lâchés. Attends, attends, là, derrière. Bim. Oh putain, je les avais pas vus tout à l'heure. Attends, là-haut. Progresser dans l'usine et éliminer les ennemis. Ok. Ça va. C'est dans mes cordes, c'est tout à fait habituel. C'est un peu ce que je fais depuis tout le jeu, en fait. Attends, ils sont où? Alors, hop. Regardez ça, ils sont tellement cons, quoi. C'est bien, on y va. Ouais. Allez, hop. Oh! Oh, c'est génial! Mais pourquoi on n'a pas plus souvent des coups comme ça? Le mec, il était dans la lave, quoi!
Mais c'est trop dommage de pas avoir d'autres coups comme ça. C'est, ça, ça, ça apporterait une vraie variété au jeu, que serait, ce serait juste contemplatif, mais ce serait sympa, quoi. Voir comment il exécute ses ennemis. Mais non. Toujours la même chose. Ah, j'imagine que c'est lui qui doit ouvrir, c'est ça? Non? Parce que moi, je peux pas, hein. Bah alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, là-haut! J'avais pas vu! Ok, on prend des chemins assez... assez étonnants, quand même. Il y avait quoi en bas, là? Juste pour savoir. Ok, si tu veux... se baisser. Oh putain non. Oh non. Oh, ah mais genre, mais ça c'est super chiant quoi. On n'a pas d'ennemis, qu'est-ce qu'on fait? On met les chauves-souris, chef. Waouh, 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 waouh. Alors attends. Et là. Oh putain, je les ai tous tués. Il y avait trois gars autour de moi qui étaient quand même... sacrément puissant, je les ai tués en un coup. Ah, Baramine. Baramine, excellente arme. Donc, oui, je m'en équipe. Alors, ça a l'air d'être le chemin par là, en bas. Non, en face, là, il n'y a rien. Non, allez, on y go. Partez en éclaireur. Ah, en fait, ça change pas grand-chose, que mes collègues sont tellement peu présents que j'ai l'impression de toujours être seul. En fait, ils servent pas à grand-chose, ils attaquent, mais ils touchent personne. Trouver la sortie des fourneaux, enfin, bah, ils sont pas très efficaces, quoi. Ah, attends, oh, c'est quoi ça, Scar, machin? Oh, j'ai un RPG, j'avais pas vu. Non, non, mon arme! Ah, je voulais pas faire ça, moi. Je voulais quand même m'en garder, enfin me la garder à proximité, quoi. Bon, on va essayer. Alors, attends. Lève la tête. Lève la tête. Oh. Merde, mais c'est... Ah non, en plus, c'est de la merde, cette arme. Et dire que ces ennemis-là, je pourrais aller les choper au corps à corps, ce serait tellement plus simple. Voilà. Par contre, c'est avec les boucliers, j'avoue. C'est chopé de loin, là, comme ça, avec le sniper, c'est pas une mauvaise chose. Bon, j'espère que je peux récupérer mon truc, là, en bas. Ça avait l'air ultra puissant, quoi. Ah, ouais, elle est là. Non, c'est lui. Ah, oui, c'est mon Scar. C'est Scar, c'est lui qui a tué Mufasa. Désolé pour le spoil, au passage, je pense que tout le monde le sait, maintenant. Voilà, mets-toi à l'abri, mec. Mets-toi à l'abri. Oh putain! Oh, y'a ma tête, elle a fait poup! Puis le jeu, jusqu'à là, m'est pas habitué à rester éveillé. Je me suis plutôt endormi devant moi. Alors là, tout d'un coup, le jeu, il dit hey, attention, il va mourir. Ah, forcément, bah. Alors regardez, là, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas bête. Hein. J'ai d'abord chopé des mecs là-bas. Alors si vous me voyez faire n'importe quoi avec la visée. Y'a mes chats qui ont fait tomber une gamelle. Je vois plus rien, c'est noir et blanc. Ah, c'est bon? Attends, c'est bon? Regardez, y en a un qui pendouille là. Eh, en fait, je m'en suis pas mal sorti. Eh oui, regardez, y en a plus. Ça y est? Mais attends. Il est pas censé, je sais pas, il est cinématique. Je sais pas, non, en fait, je pense que non, non, non. J'ai juste débarrassé les lieux des ennemis et je peux continuer comme ça. Normalement. Enfin, je sais pas trop. Ok. C'était... Oh putain, le petit dernier. Oh,
trouver la sortie des fourneaux. Ah, mais c'était des fourneaux, pardon. C'était marrant. C'était marrant. C'était vraiment une phase bourrine parmi les phases bourrines, quoi. Dans ce jeu, il y a que ça, mais alors là. Allez. Finir en barbecue. Attends, tu vas voir qui c'est qui va finir en barbecue. Bah, bim. Lui, il a fini en un chip parmentier, là. Lui. Ah. Oh. Oh là. Oh là. Oh là. Ah, c'était pas une bonne idée. Alors, par contre, eux, là, avec les boucliers, c'est pas toujours évident. Ok, c'est bon. Il a tout revu. Ivan avait la bonne technique, tu vois. Il a compris. Défonçage de crâne. En règle. C'était parfait. Puck. Oh. C'est quoi, ça? Merde, quoi. J'avais pas vu ce qui était derrière. Voilà. Allez. Et bah voilà, ça c'est bien. Et quoi d'autre? Bon, je vérifie toujours, on sait jamais si je peux trouver un autre instrument à ajouter à ma collection. Ou un bouquin, je sais pas. Ouais, instrument, je peux pas parce que j'ai déjà trouvé celui du niveau et t'en trouves toujours un seul par niveau. On traverse le pont, j'ai pas peur. Moi je vais courir avec mon truc. Oh, attendez. Oh, genre, il y a des trucs explosifs partout. Non mais ouais, mais je vois pas grand chose, quoi. Mais c'est tout petit. C'est quoi? C'est des fourmis que je dois tuer? Des fourmis? Ils veulent que je fasse quoi en vrai? Déjà pour vider, c'est chiant. Pour vider, pour viser. Enfin, pour vider aussi, hein, logique. Pourquoi je me fais toucher là? C'est quoi qui... Éliminer les ennemis de l'autre côté du pont. Oui, j'avais compris, hein, merci, je... faire preuve de subtilité comme d'habitude. Oh, mais attends, mais stop, je me fais... Mais c'est quoi? Il y a un gars derrière ou quoi? Je peux pas y aller, moi, directement au pont, là, je m'en fous, en fait, de... De faire ça, là, j'y vais, puis... Et puis, bim, au corps à corps. Oh, attends, RPG. Ah, mais attends. C'est vrai, j'ai du RPG sur moi. Ouais, non, allez, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça, parce que c'est bien mieux. Ils pourront pas se défendre, là. Putain, qu'est-ce que c'est, ça? What? C'est sérieux? Hi. Ouais, mais le RPG, je vais pas réussir à le viser, moi, le truc. Waouh. Ils veulent que je fasse quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Attends, on va prendre ça. Hein, ça paraît plus efficace. Alors, est-ce que c'est encore si fort? J'aime bien les hélicos. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le truc m'envoie des salves de missiles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ça y est, comme... Ah, et bah voilà. Allez. Bon bah s'il y avait si fort à l'intérieur, là, elle a pris un... Voilà, elle a passé un sale moment, là. Bon, je pense que c'est bon. J'aime ce jeu, c'est tellement subtil, c'est tellement fin. Ça se mange sans fin. D'accord, en fait les deux côtés sont complètement jumeaux, hein. Par rapport à ce qu'on a là. Go ahead, I'll take care of this. Localiser le scientifique prisonnier. Alors. Oh, attends. Une hache. Ah, la hache. Ah là, c'est une hache, quoi. C'est vrai que le tuyau a aussi son petit charme, tu vois. C'est le charme tuyau, c'est bien. Ça fait Mario, tu vois. Bon. Qu'est-ce que... Ouais. En fait, je crois que... Assez vite, j'ai fait le tour
de tout ce que le jeu avait à me proposer comme, comme arme au corps à corps, et je suis très déçu en fait. J'imaginais tellement que qu'on aurait bien mieux que ça, quoi. Allez, tiens. Enfin, je pensais que le jeu allait être plus exotique que ça et que, qu'il allait nous proposer des armes de fou, quoi. Voilà. Hop, alors il y a des gars qui me tirent par dessus. Wow. Mais qu'est-ce que tu faisais là, toi aussi, hein? Alors, il y a des... c'est quoi? Des miradors, je sais pas trop quoi. Voilà. Sauvegarde. Oh! Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Oh merde! Éliminer les gros bras! Ah mais ils courent ceux-là! Ah, recharge! 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 Ouais, bah, attendez, regardez si ça va être compliqué. Hop! Voilà. Voilà, c'est tout. Ah, tu t'éclates, mec? Alors, on va essayer d'avoir le premier... Ah, mais j'ai plus... Ah, merde, mon arme est vide. Ah, mes grenades sont complètement parties en vrille. Je les ai gaspillées. Ah, là. Là, c'est bien. Puck! Oh, c'est vrai, j'ai lance-roquette. Mais oui, ouh. En plus, je peux recharger mes roquettes. Mais genre, les pauvres ennemis, quoi. J'aimerais tellement pas être à leur place. Mais putain, mais merde, c'est une visée automatique. Le gars vise au-dessus, s'il te plaît. Voilà, et un de moins. Il a eu mal celui-là. Ça s'est entendu. Hein. Et ben voilà. Ah bah oui, mais hein, quand tu viens en frimant là avec ta. Ta tronçonneuse, je sais pas quoi, bah il faut s'attendre à ce que je me dévende, hein. Je ne suis pas qu'un cliché de gros tatoué. Je suis un gros tatoué. Alors, entrer dans la tour de refroidissement. Ah, là-haut. C'est pas très accessible aux handicapés, hein, leur truc. Mais j'adore ça, j'adore ça. Ça, tu vois les mecs qui sont avec toi avec des flingues et tout, puis toi t'arrives et bim. Oh, 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 allez, allez, regardez, il fit un long voyage. Hop. Allez. Je sais pas comment je fais. Ah bah lui, bah je peux toujours le jeter par-dessus, mais c'est moins marrant. Ah là, comme ça. Faites pour chier. Ah, entrer dans la tour de refroidissement, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Genre... Non, ils sont organisés, les mecs. Ils sont tout compris. Mais j'ai pas peur. Je fonce. Pas peur. Voilà. Très bien. Alors, si j'y vais au corps à corps, est-ce que ça va marcher? Voilà. Allez, hop. Un petit bain. Ah, je te jure que là ça décrase. Hein. Tu vois, un bain de lave, ça décrase de ouf, quoi. Bon, alors on va être peut-être un peu plus subtil et on va utiliser les armes à feu. Voilà. Je trouve que j'ai déjà été. Il faut un temps pour tout. Bourrin, subtil, tout ça, vous avez compris. Hein. Allez, tiens, regardez lui. Juste pour faire plaisir. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Entrer dans le bâtiment un peu plus loin. Ah mais moi j'ai couru dessus, quoi, je sais pas, c'est un réflexe. Il y aurait une subtilité ici encore. Ah mais oui, j'avais pas vu. Je dois passer par le dessous. Hop, oh. Voilà. En fait ce jeu il est bien meilleur quand tu rushes. Voilà. Regardez le mec à côté, ça va? Comment ça se passe? Ah, pardon.
Je lui demandais comment, comment il gérait, moi. Voilà, et puis pendant les cinématiques, ils attendent bien, c'est ça. Ah, ouais. Wow, j'adore le travail que tu fais. Ah, attention, Dara, toi. Tiens, merci, Bob. Comment il a fait pour voir ça, Bob? Ah, mais il est là, Bob. Et comme d'habitude, ils viennent après, quoi. Alors, d'entrer dans le bâtiment un peu plus loin. Ça, c'est de l'objectif. Maïda est tenue au dernier étage. Bien, ben reçu, c'est là. Et puis, on retrouvera bientôt notre ami, il y a tellement d'adjectifs qu'on peut utiliser. Notre ami tatoué. Attention. Tatoué à lunettes, balafré, chauve, musclé, russe. J'ai eu assez avec mon souffle pour faire ça. Bon, allez, des bisous à tous. Et merci d'être passé. Et puis, à bientôt.